Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien ce mardi 16 avril. Eh bien écoute, nous, le temps est toujours gris, il y a des, bah oui, forcément des nuages, hein, vu que le ciel est bleu de base. Et il pleut encore et encore, purée. Comme dit ma chère cousine, on va moisir, on va finir par moisir. Mais bon. On fait avec. Belle âme, merci pour tes retours. Que ce soit sous les vidéos, par mail, par Messenger. Merci du fond du cœur. Merci pour ton écoute chaque jour. Vraiment. Et on va voir les jeux qu'on va utiliser pour. Donc le message énergétique, le court-métrage, les gris-gris, enfin pas pour les gris-gris, ils sont là pour le joyeux anniversaire et le message des guides en trois choix. C'est tout. Alors, pour le message énergétique, on a carte d'activation géométrie sacrée. C'est très bien. J'aime beaucoup pour le message énergétique. Parfait, mes guides. Pour le court-métrage, les anges divinatoires. Pour le joyeux anniversaire, le message des guides. Bah, mais au final, oui, c'est sûr. Alors, pour le joyeux anniversaire, on a le pendule. Donc, pour le joyeux anniversaire, ben, l'âme, si c'est ton jour. Après, voilà, hein, c'est un plus. Hein, mais ben, l'âme, même si c'est pas ton anniversaire, tu as le droit de faire le pendule. Par contre, faut que ça vibre, faut que ça résonne. Je t'invite à te poser une question, belle âme. Alors, l'oracle de l'harmonie, l'oracle cosmique et le tarot, non. De l'amour, avec le vert, chakra du cœur. C'était l'harmonie dans le cœur, l'harmonie du cosmos et le tarot des déesses. L'harmonie d'une déesse. L'harmonie dans le cœur. C'était quoi l'oracle de l'harmonie cosmique et voilà. Des liens d'âme peut-être. Tu vois, c'est ce qu'on m'envoie. Peut-être des liens d'âme. Des connexions. Voilà, merci. Une reconnexion à sa part féminine, mais vraiment reconnexion totale. Hein. Alors, pour le message des guides, en trois choix. Ils sont lents ce matin. Mes guides, s'il vous plaît. Pour le message énergétique. C'est horrible. Peut-être il fallait que je prenne l'harmonie, le cosmique et la... les déesses. Alors, bah, les déesses, oui, parce qu'il est revenu, tu vois. Et donc, l'harmonie. Oh là là, l'oracle de l'harmonie. On a le tarot de l'amour avec les déesses. Et moi, là, on me dit, ils ont fait tomber les déesses pour que je comprenne qu'il fallait que je prenne les trois. Donc, le tarot de l'amour, on va le remettre là-dedans. Bah, c'est l'amour de soi, hein, ou l'amour pour l'autre. Donc, tant que je m'en souviens, l'oracle. Oh zut. L'oracle de l'harmonie avec le cosmique et les déesses.
Ah bah écoute. Hein. Là, pas le livre, hein, par contre, mais... Donc, c'était l'harmonie d'abord, le cosmique et l'oracle des déesses. Donc, une de chaque, en fait, pour le trois choix, tu vois. En tout cas, c'est ce que j'ai dans ma tête. Alors, le pendule, bah, écoute, il est là. Pour le joyeux, ouais, mais on va pas faire que le pendule. Les anges divinatoires. Il est là. Pour le court-métrage. Donc, je te montre ou pas celui-là. Les cartes d'activation sacrée. Géométrie sacrée. Je vais finir par plus me tromper là. Prendre les jeux. Donc on y va, belle âme. Pour le message énergétique avec la géométrie sacrée. S'il vous plaît. Pour ce mardi 16 avril. Et c'est parti. Alors, croyance. Prise de conscience et synergie. Ici, on te dit, la fréquence de la croyance renforce notre estime de nous-mêmes basée sur nos dons et nos talents, ainsi qu'un lien puissant à la source. Tu vois, je te parlais, le cosmos, bon, j'ai dit, mais un lien, tu vois, à la source, une reconnexion à sa part vraiment féminine, en fait, c'est ce qu'on m'envoyait. C'est tout. Prise de conscience. Donc, concept pour cette croyance, hein, ce lien, un lien puissant à la source. On te dit, la fréquence de la prise de conscience renforce le processus intérieur par lequel nous prenons conscience de la vérité du cœur. Ah là, c'était ça, merci mes guides. Ainsi que le processus extérieur par lequel nous devenons une expression supérieure dans ce monde. D'accord? Donc, c'est vraiment la reconnexion à sa part féminine, au cœur, pour être dans l'expression de sa part féminine, pour se laisser enflammer par sa féminine. D'accord? Par toi. Synergie. La fréquence de la synergie renforce notre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendre de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. Elle nous rappelle que nous devons embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et excitantes de donner vie à une nouvelle réalité. Donc, ici, il y a quand même des croyances, on parle quand même de croyances limitantes desquelles tu dois prendre conscience ici. D'accord ? Pour accepter l'inconnu, pour accepter de, tu sais, d'être attiré, que ce soit par une personne, par un professionnel, peu importe ta situation, d'être attiré sans savoir ce qui va se passer en fait, tu vois, sans savoir peut-être même pourquoi tu es attiré par un professionnel, par une personne, par un projet, peu importe, te laisser aller en fait, d'accord? Donc belle âme, j'espère que ça résonne déjà. Comme tu sais, c'est important.
On y va pour le court-métrage. Pour le court-métrage du mardi 16 avril. Alors, unité. L'archange Michael, qui t'aide à te reconnecter à ton enfant intérieur, à ne faire qu'un avec ton enfant intérieur, en fait. C'est vraiment l'archange Michael qui est présent pour que tu puisses ou que tu t'autorises à prendre la main de ton petit enfant intérieur. Donc, aller dans le sens de l'appel de ton enfant intérieur. D'accord ? Humilité. Amitié. La force et la grâce. Tu sais, après les tempêtes, moment de grâce. C'est ce qu'on t'envoie. Après les tempêtes, après les turbulences, après les cyclones, et ben, moment de grâce, belle âme. D'accord ? En fait, cette tempête, parce que la grâce... Attends, je te montre comment on m'envoie le truc. Elle est où, elle ? Alors, oh zut, c'était une blanche pourtant. Ah oui, voilà. Tu vois, la grâce, t'as vu comment tu es là? En fait, après la tempête, le cyclone, le vent, le peu importe ce qui se passe dans ta vie, d'accord, c'est pour te permettre... Oh, de voir la grâce que l'univers t'offre, en fait, tu vois. C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie. Sans un déblayage, et ben, avec le vent, avec l'ouragan, avec ce que tu veux, hein, et ben, tu ne verras pas la grâce, en fait. C'est comme si qu'ils enlèvent toutes les mauvaises herbes avec le vent, et bim, comme ça, tu vois la grâce... que l'univers met sous tes yeux. Bon, bah écoute, hein, la grâce. Ok. Alors, ce qui va t'aider avec le soutien et révélation, ce qui va t'aider pour sentir cette grâce... Madame, tu prends comme ça résonne, d'accord. Moi, j'aime la joie et la bonne humeur dans mes tirages. Après, bon, quand c'est en privé, c'est autrement. D'accord. Mais on rigole quand même. C'est vraiment ce qui va t'aider à sentir une grâce, j'en sais rien, à sentir, à prendre, à apprécier une grâce, la grâce que l'univers t'envoie. C'est les révélations. On te soutient pour... En fait, tu es poussé, soutien et révélation. Tu es vraiment poussé à révéler les choses, à révéler des choses. Écoute, d'accord ? À révéler ce que il y a des révélations, en fait, il y a des choses à dire, tu es amené à t'exprimer et tu as le soutien de l'univers pour ça.
la beauté. Alors, soit tu ouvres, soit tu es amené vraiment à regarder en toi la beauté qu'il y a en toi, d'accord, pour retrouver la motivation de te, de prendre soin de toi, de te guérir, de te soigner, ou alors c'est vraiment la beauté d'une personne, d'accord, la beauté qui t'entoure, d'une ou de plusieurs personnes, d'accord, c'est en voyant la beauté chez les autres que tu as cette motivation de prendre soin de toi en fait, d'accord. Abondance, mais elle n'est pas sortie. Direction. Bah écoute, Archange Raphaël, Archange Uriel, tu sais, c'est pour ça qu'on me l'a fait enlever. Alors, concernant une direction que tu dois prendre, peut-être tu as un carrefour de ta vie, belle âme. Alors, direction. Bah non, c'est pas direction. Archange Raphaël et Uriel. Raphaël et Uriel. On te dit ici que tu vas te guérir en... Alors... Tu vas te guérir et te transformer en reconnaissant ta connexion au divin. Tu vois, en voyant la beauté chez les autres, tu vas être motivé pour prendre soin de toi, pour te guérir, pour soigner une blessure, enfin soigner une blessure. Tu sais, ça ne se guérit jamais totalement, les blessures, je pense. Il y a toujours des situations qui rouvrent la blessure, d'accord, la plaie que tu as fermée, que tu as pris du temps à fermer, toi. Et ben, il y en a, ils se font un plaisir d'entrer dans ta vie et de rouvrir cette blessure-là. Et ben, en fait, on n'est jamais totalement guéri. Il y a les traces, d'accord, des blessures de l'âme. Par contre, tu sais, plus tu avances, plus tu sais quelle situation va rouvrir une blessure. Donc, tu apprends à ne plus te mettre dans des situations qui appuient encore plus sur tes blessures, d'accord. Ce que tu veux, c'est de te sentir épanoui, toi, d'accord. On est d'accord, de ne plus être blessé, de ne plus te sentir voilà, abandonné, rejeté, humilié, trahi, peu importe. Ce que tu veux, c'est le bonheur, je pense, comme moi, comme tout le monde. Donc, il y a c'est avec l'archange Raphaël, tu te guéris et tu te transformes en reconnaissant ta connexion au divin. En reconnaissant c'est aussi dans le sens où, quand tu vois la beauté chez quelqu'un, si tu la vois la beauté chez les autres, tu la vois en toi aussi. D'accord? Si tu la vois chez les autres, c'est qu'elle est en toi aussi, cette beauté. Donc, d'accord? Et on te dit, exalte le divin en toi. Tu exaltes le divin en toi quand tu acceptes le don d'une véritable paix spirituelle. La paix spirituelle, c'est la paix que ton âme a choisi, en fait. C'est... Ouais, non. Ce petit con ou cette petite conne là, la manière qu'elle agit, elle est en train d'appuyer sur une blessure là. Donc, bim, je vais pas les laisser faire en fait. Tu vois ce que je veux dire? La paix spirituelle, c'est... Comment expliquer? Mes guides, s'il vous plaît, il est là le mot. Accepter la paix spirituelle. C'était quoi encore la phrase? Oh ben l'âme, je suis désolée, hein, mais je sens c'est fort aujourd'hui. Hein. J'aime beaucoup.
tu te guéris et tu te transformes en reconnaissant ta connexion au divin. D'accord? Donc, en te reconnectant à ton enfant intérieur. Pour moi, là, c'est ce que c'est. D'accord? Tu vois la beauté chez les autres. Sache que quand tu vois la beauté chez quelqu'un, c'est qu'elle est en toi, cette beauté aussi. D'accord? Donc, en prenant conscience de ça, tu es motivé pour te guérir, pour te soigner. D'accord? Pour te guérir, pour te transformer. En reconnaissant cette beauté en toi, et en allant chercher ta véritable paix spirituelle. Ta véritable paix spirituelle, c'est empêcher ce petit con ou cette petite conne de venir rejouer dans une plaie là, que tu as déjà fermée, toi. D'accord? Eh belle âme, c'est comme ça qu'on me l'envoie. Je peux pas le dire autrement, d'accord? Allez, les trois derniers. Alors, maternage, confiance en soi. Confiance en toi, l'amour est ton but là. L'amour est le but. L'amour est le... Alors, quand tu as confiance en toi, tu touches à l'amour. Quand tu as confiance en toi, tu es dans l'amour de toi et tu es dans l'amour des autres. Il y a l'amour et le but ici. L'amour et le but. Et le but premier de ton âme. L'amour du cœur. D'accord? Mais en ayant confiance en toi. Tu vas être dans l'amour du cœur. L'amour va devenir ton but premier, en ayant confiance en toi ici. Ta liste, elle est longue. Hein. Vas-y. Quelles sont les étapes par lesquelles tu es passé? Qui a finalement les étapes douloureuses, difficiles, qui a finalement renforcé ta confiance en toi. Ok. Archange Gabriel, elle te dit, il y a une présence près de toi. Ça peut être elle. Alors, j'écoute mon intuition, sachant que je suis aimée. Il y a peut-être ici, alors, une mère, ça peut être une mère, hein. Ça peut être une personne qui prend soin des autres avec maternage, d'accord? Une mère de cœur, j'en sais rien, je sais pas comment tu prends comme ça résonne, belle âme. Écoute ton intuition concernant la présence. Écoute ton intuition par rapport à la présence d'une mère peut-être près de toi. Ou une personne qui est dans la. Qui est une mère. Écoute. Qui est une mère, peut-être pour tout le monde, peut-être, tu vois, avec toi. La joie. La justice et la connexion ici. Justice, connexion. Attends, je te dis ça. Deux secondes. Alors, on te dit de chercher la justice et l'impartialité dans tous tes rapports aux autres. D'accord? Allez, connexion. Alors, tu es un élément essentiel du réseau de communication de la création. En fait, cherche la justice et l'impartialité dans tous tes rapports aux autres pour être en connexion, en fait. D'accord? Peut-être d'aller chercher la communication également. La communication créative qui va permettre de créer ici.
D'accord. Alors, belle âme, pour que ton chemin se soit, hein, pour que les énergies soient un peu plus fluides, pour que tu puisses te laisser porter par le courant, il faut pardonner. Il y a un pardon. Un pardon. Ok. Et il faut que je la fasse, hein, cette méditation. Il y a trop de personnes qui en ont besoin, je crois. Moi aussi, hein, je le cache pas. Hein. Peut-être, je fais, c'est bon, j'ai pardonné, je suis bien, oui. Là où ils disent mon œil. T'as pas pardonné à une merde. D'accord. Donc, je vais la faire. Hein, je vais le faire, ce soin. Bon, comme tu le sais, c'est avec le livre de Don Miguel Ruiz, S'ouvrir à l'amour. Et puis, c'est la prière, le mantra, le texte du pardon, comme j'ai fait pour l'amour. D'accord. Donc, écoute, je le ferai en espérant qu'il ne pleuve pas trop ce soir. Parce que sinon, c'est mort. On entend trop la pluie. Ou pas, je sais pas. Merci mes guides. On fera ça au bon moment. Peut-être ce soir ou demain. Le pardon. Le soin du pardon. Alors. On te parle ici de la beauté du cœur. Alors la beauté du cœur, maintenant tu prends les messages comme pour toi ou quelqu'un d'autre. C'est toi qui vois si ça te parle de toi ou de quelqu'un ou d'une situation. D'accord. Pardon, ben là, il y a un truc qui floute devant mes yeux là. Il y a un truc que tu ne comprends pas, qui est flouté devant ton œil. Alors on parle de la beauté du cœur. De la beauté intérieure. Alors c'est vraiment une beauté du cœur qui est offerte. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment comme ça qu'on me l'envoie là. La beauté du cœur est offerte. Alors le cœur est un cœur est peut-être offert, d'accord? Oh, je sais pas dans quel sens, belle âme. Dans tous les cas, merci l'univers. Pour ceux qui sont... Il y a le don d'organe qui est venu dans ma tête, belle âme. C'est pour ça que je dis ça. Donc, un cœur qui est offert. La beauté du cœur en cadeau. La beauté d'un cœur en cadeau. Peut-être que tu offres ton cœur ici, d'accord ? En tout cas, une beauté ici te permet de te rééquilibrer, te réaligner, te permet d'être en accord avec toi-même, te permet d'amener ton masculin au même niveau que ta féminine, en fait, intérieure, hein, pour que ton masculin pose des actions en accord avec les désirs de ton cœur ici. Et il y a quelque chose qui te procure de la joie ici. D'accord? C'est pas vrai, hein? Il y a quelque chose qui te procure de la joie. On parle d'un ami, d'une amie. D'un cercle amical, c'est pas forcément une seule personne, ça peut être tout un groupe, hein, tu prends comme ça résonne. En tout cas, au niveau amical, on parle de personnes qui sont maternantes, qui prennent soin, qui sont d'un grand soutien en fait. Un groupe d'amis qui est d'un grand soutien, des amis qui sont d'un grand soutien. Des amis
des amis, voilà, des amis qui... qui chérissent les autres et elles-mêmes. Et eux-mêmes. Qui te chérissent et qui chérissent eux-mêmes. C'est des amis qui te disent « Mon âme est comblée quand je chéris les autres et moi-même. » D'accord ? Donc, des personnes qui prennent... des amis qui prennent soin d'eux et des autres. Alors, ici, humilité, confiance en soi, c'est comprendre que chaque personne a un rôle à jouer dans ta situation, d'accord ? Chaque personne a son rôle à jouer, d'accord ? Quand tu comprendras ça, enfin, quand tu comprendras, c'est mes guides quand même, quand tu intégreras que chaque personne a son rôle à jouer, dans une situation, que ce soit par rapport à un conflit au niveau professionnel, au niveau de la famille, au niveau, ou alors pour quelque chose de beau, hein, un projet que tu veux monter avec ta famille, avec des amis, peu importe. Quand tu comprendras que chaque personne a son rôle à jouer, tu gagneras en confiance. En intégrant, en fait, que chaque personne a son rôle à jouer, tu gagnes en confiance en toi. D'accord. Parce que c'est pas parce que... c'est pas parce qu'une personne n'agit pas comme toi qu'elle ne va pas dans le même sens que toi s'il y a un but à atteindre. D'accord. C'est qu'elle a un rôle à jouer pour aller au bout. Si elle a ce rôle à jouer, par exemple, de taper dans la balle et toi, c'est de ramasser les balles, si vous vous mettez tous les deux à ramasser les balles alors qu'il n'y a pas de balle lancée, du coup, bah, c'est mort. Enfin, tu comprends ce que je veux dire. Donc, pour atteindre le but, il faut qu'une personne lance la balle et l'autre, qu'elle les rattrape. Tu vois, et que toi, par exemple, tu rattrapes les balles. Donc, si cette personne n'est pas là pour lancer les balles, t'arriveras jamais au bout. Tu comprends ce que je veux dire. C'est vraiment comme ça qu'on m'envoie le truc, belle âme. Je suis désolée. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Oh, mais c'est incroyable ce truc, hein. Et on te dit ici... Je vais te dire... J'avais déjà lu ça, mais... Ouais, voilà. J'accepte volontiers le cadeau de la grâce. Tu acceptes ? Mais pour l'accepter, il faut prendre une direction. Il faut faire un choix ici. Alors. En fait, c'est en acceptant la grâce, en ouvrant les yeux sur une grâce, que tu sais, que tu verras clairement la direction que tu as à suivre. En fait, c'est... En fait, il y a déjà une grâce. Il y a déjà quelque chose qui est pour toi. Il y a des, que ce soit professionnel, que ce soit un projet, que ce soit là avec la famille, avec les amis, avec qui tu veux, je sais pas, avec tes animaux. Il y a quelque chose que tu sais déjà. Et tu sais que tu dois prendre une direction ici. Mais est-ce que tu as pris cette direction-là? On te parle d'action à poser en accord avec tes émotions pour te diriger vers la grâce que l'univers te grâce. Bon, t'as compris, belle âme, hein, je suis sûre. D'accord. Donc, pose des actions en accord avec tes désirs, fais en sorte que ton masculin, féminin, il soit en accord pour te diriger vers une grâce. D'accord. Et pour comme offrir
ton aide, ton soutien, c'est vraiment ce qu'on m'envoie, belle âme. Pour comme offrir ta douceur. Une mère, c'est tendre, c'est doux. C'est aimant, elle est aimante. D'accord? Parce que visiblement, les blés, ils sont là. Hein. Tout est beau, là. Hein. Mais il faut juste l'accord. Ton masculin, ton féminin, faut qu'ils soient en accord, en fait. D'accord? On te dit ici, hey, j'adore le message qu'on m'envoie. J'adore quand je regarde les cartes, on m'envoie des messages, tu vois. Ton guide, je sais pas qui moi, il te dit, prends conscience que ton cœur a déjà entendu. Prends conscience que ton cœur a déjà entendu. Tu sais, avec le couronne, la grappe de fleurs, au niveau du cœur, et il y a une petite fleur au niveau de l'oreille, violette aussi. Tu vois, je sais pas si tu la vois bien, belle âme. Hein. Mais elle est là, en fait. Je sais pas si tu vois. Et en fait, prends conscience que ton cœur a déjà entendu. Oh là là, écoute. C'est vraiment la phrase qu'on me donne. Prends conscience que ton cœur a déjà entendu. Prends conscience que ton cœur a déjà entendu. Allez, écoute. On sort ta Wexa maintenant. Comme dit Créole. Prends conscience que ton cœur a déjà entendu. D'accord ? Pour t'ouvrir à la beauté, pour vraiment offrir ta beauté, offrir ton cœur, offrir une rose, hein, j'en sais rien, d'accord? Prends conscience que ton cœur a déjà entendu. Prends conscience que ton cœur a déjà entendu. Et que la rose est un diamant. Oh là là. Prends conscience que ton cœur a déjà entendu et que la rose est un diamant. Prends comme ça résonne. On te dit d'avoir confiance en toi, belle âme. Il y a quelque chose que tu sais déjà, c'est pour ça on te dit, hein, il y a une grâce qui est là, mais tu n'as pas encore fait de choix. Tu le sais que c'est là. Mais tu as un choix, une direction à prendre, toi. D'accord ? Donc, prends conscience que ton cœur a déjà entendu. Et que la rose est... Oh, j'ai déjà dit. J'ai oublié, moi. Que la rose est un diamant. Donc, aie confiance en toi. Un truc comme ça. D'accord ? On te parle ici... du cercle amical, ça peut être un ami, une amie, ou ça peut être vraiment cette notion de loyauté, fidélité, sincérité, la confiance, d'accord? Concernant un ami, une amie, le cercle amical, on te dit que tu as, pour faire un choix, pour prendre une direction, dirige-toi vers la joie, en fait. Alors, au niveau amical, prends la direction de la joie, d'accord? Prends le chemin de la joie. Ok. Oh, 40 minutes presque. Écoute, ben là, moi, j'ai kiffé le message d'aujourd'hui. J'espère que toi aussi. Si c'est pas le cas, ben, ça sera pour demain. On y va. On y va pour les gris-gris, belle âme. En ce mardi 16 avril. Oh,
Oh mon Dieu, souffrance, hein, ça fait beaucoup. Alors. Alors ici, ce qui est sorti de mon... Je ne sais pas si tu le vois. Bref. On a la relation qui tourne en rond ici. Hein. D'accord. Est-ce que du coup, plouf, ça tombe à l'eau? Parce que ça tourne en rond. J'en sais rien. Je sais pas. Alors. Mes guides, comment se fait? S'il vous plaît. Parce qu'il y en a plein là. Hein. Oh là là. Comment est-ce que je fais? Ok. Ok. C'est vraiment comme ça. Hein. Ok. Alors ici, on te parle de courage, de sécurité, de joie et d'amour. Hein. D'accord? Donc, courage, sécurité, joie, amour. C'est chouette ces mots-là, mais s'il y a la breloque là au côté, c'est pas terrible. Hein. Eh ben, tu t'enfermes par rapport à tout ça. Tu es dans l'enfermement. Il y a un isolement, une solitude. Là, il y a une nouvelle personne. Une nouvelle personne qui te fait te poser mille et une questions. Ou alors, c'est vraiment une personne qui te permet de retrouver une bonne santé, qui te permet de te guérir, de te rétablir, d'accord? Et qui t'allège. Ça peut être ça, d'accord? Tu as la lettre R. Par rapport à un R, ou quand Robbie, quand tu cherches des prénoms, tu trouves pas. Alors, il y en a plein. Robbie, Ricky, et en féminin, il y a quoi? Oh, merde. Eh ben, j'en ai pas. C'est sorti de ma tête. Il n'y a plus rien qui vient. Mes guides en féminin. Écoute, il n'y en a pas qui me viennent. Tu me crois, tu me crois pas, tu fais ce que tu veux. En tout cas, il y a un R. Par rapport à un R, on te dit qu'il est temps, j'entends. Alors, est-ce que c'est pas une émotion? Une émotion, un truc là. Est-ce que c'est pas une rage? Est-ce que c'est pas... Je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose, on te dit, il est temps. D'accord? Par rapport au R, il est temps. On te parle ici de questionnement. Tu te poses des questions ici. Sur le fait de couper ou concernant des disputes peut-être. Tu te poses énormément de questions pour couper là. Pour couper avec une situation ou des personnes. Qui font quand même obstacle ici. Hein. Ça c'est ma carte des... Ma carte. Ma breloque de mes obstacles. Il y a des obstacles à passer ici. Et en fait, tu te poses la question de couper avec, avec une situation peut-être dans laquelle tu trouves qu'il y a trop d'obstacles en fait. C'est ça. D'accord? On te dit de calculer.
Peut-être que tu calcules, tu vas évaluer, hein. Tu calcules le cul. La lettre Q, belle âme. Tu crois comme ça résonne. Tu évalues. Une situation avec Quentin, qui tu veux, hein. Pour voir si tu es dans l'illusion ici, d'accord, ou alors si c'est vraiment un rêve. Est-ce que tu es dans l'illusion ou c'est vraiment un rêve? Un rêve. Tu prends comme ça résonne, belle âme, d'accord. On a le 4. Parle de conseil. Tu es conseillé ici. Conseillé concernant... je crois que c'est... le cœur avec la clochette. Amour secret. Tu es conseillé par rapport à un amour secret. Peut-être que tu cherches ici des conseils concernant un amour secret. D'accord? On te dit ici que peut-être un schéma se répète. Parce que c'était le 1, donc j'ai pris la carte 1. Un schéma se répète et on te dit d'écouter ton intuition en sachant que tu es aimé. D'accord? Donc, peut-être que tu cherches des conseils concernant un amour secret pour lequel, bah, du coup, un schéma se répète et on te dit de faire confiance à ton intuition sachant que tu es aimé. Ok. On te parle ici avec ce petit trèfle, hein, de chance, d'accord, d'heureux hasard, de victoire, d'accord. Par contre, tu avances avec un poids ici. Il y a comme si que tu sens que tu avances, mais avec un poids ici. Il y a quelque chose de lourd, hein, pour toi. Bah, tu vois, je viens de voir... je viens de revoir ça. Est-ce que ce qui est lourd, c'est une relation, une situation qui tourne en rond? Est-ce que ça ne devient pas lourd et pesant pour toi, ça? D'accord? Donc, vois comment ça te parle, belle âme. Prends comme ça résonne, d'accord? On te parle ici de stabilité, de fidélité, de sécurité, de fiabilité. Il y a quelque chose qui t'assure la sécurité, la fiabilité, la fidélité, même si tu as l'impression de manquer d'une aile, en fait. D'accord? Ou alors, c'est peut-être comme s'il manque quelque chose pour justement cette stabilité, cette fidélité, cette fiabilité, la fiabilité d'une situation. D'accord? On te parle ici de fiançailles, de mariage, d'union pure avec la boule, d'accord? La boule transparente, là, la boule de cristal, voilà. Ok. On te dit que tes prières ont été entendues. C'est comme ça qu'on me l'envoie, là. Tes prières ont été entendues et on te parle du coup de... Tes prières ont été entendues concernant des invitations, peut-être, d'accord? C'est les invitations, ça, mes guides. Tes prières ont été entendues, tu vas pouvoir boire un café. D'accord. Je ne sais pas ce que tu as demandé, mais... Tes prières ont été entendues, on te parle d'invitation ici. D'un rendez-vous reçu, ok. Ou effectué. Tu effectues un rendez-vous. Hein. Ou alors... il est où? Ah, il était là devant moi, je le vois plus.
rendez-vous effectué ou reçu. Bon, soit tu reçois une visite, d'accord, quelqu'un vient boire un café chez toi. Tes prières ont été entendues, t'inquiète pas, cette personne vient boire un café chez toi, d'accord. Ou alors c'est toi qui pars, qui va pouvoir partir boire le café ou le thé, d'accord. J'adore le petit gris-gris aéra, là. Je sais pas si tu la vois bien. Tu vois cette petite tasse là, comment elle est magnifique. Voilà, elle est belle. Hein. Je kiffe. Donc Balaam, bah écoute, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu le sais, c'est le plus important. Et ben voilà, hein. Il n'y a pas d'autre gris-gris qui était tombé. Non, on est bon. Donc, tu prends comme ça résonne. Le R. Il est retombé, le R. Alors, on y va, belle âme. Ouais, mais mes guides, on est d'accord que je ne vais pas faire ça comme ça. Belle âme, belle âme. Alors, on t'invite ici à poser ta question. Les mains sur le cœur, fermez les yeux. Et on va voir si la réponse est oui, non ou peut-être. D'accord. Le 77, oui. Mais sur pause si tu as besoin d'un peu plus de temps. D'accord. Et puis rapide dessus. Et là, on répond à ta question. S'il vous plaît. Merci de répondre à la question de mes belles âmes. Et c'est un oui. Un grand oui. Alors, j'espère que c'est ce que tu voulais. Hein. Bella, merci, merci, merci. Alors, pourquoi oui? Ça, c'est Hera qui faisait ça. Pourquoi oui? Je le dis, hein, parce que je kiffais, moi, quand elle faisait ça. Quand elle fait ça, je kiffe. Les prévisions d'Hera. La belle Hera avec qui j'ai pris mes gris-gris. Voilà. Alors, s'il vous plaît, Maggie. Pourquoi oui? En petite pyramide. Il pleut plus, belle âme, hein? Mais le temps est gris. Bah, t'as vu, il y a le oui encore, le re-oui. Alors, pourquoi oui? Alors, belle âme, il faut que je rajoute les cartes hein, pour te dire pourquoi oui. Pourquoi oui? Pourquoi oui? Bah écoute, déjà, pourquoi oui? Parce que même si c'est compliqué, là, il faut que tu prennes, tu reprends la route, en fait. Même si c'est compliqué, pourquoi oui? Parce que même si c'est compliqué, il faut reprendre la route. Parce que là, il y a quelque chose qui démarre. D'accord? Ou c'est ce printemps, belle âme. D'accord? Et il faut, pour ce démarrage, parler d'amour. J'ai une chanson qui me fait dans la tête. Pardon, belle âme. Même si, pour ce démarrage, pour pouvoir démarrer, pour rendre un chemin moins compliqué, il faut des discussions cœur à cœur. Pourquoi oui? Bah parce que oui, il faut couper avec la négativité, avec tout ce qui t'empêche de te diriger vers ce chemin qui est ouvert pour toi. D'accord? Les trois dernières. Équilibre.
Pourquoi oui? Pour retrouver un équilibre, d'accord? Pour retrouver un équilibre et te rendre compte que peut-être une coupure est liée à un mauvais regard, un regard faussé, d'accord? Pourquoi oui? Parce qu'il te faut prendre de la hauteur, peut-être te déplacer, d'accord? Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Et merci ma belle Améra, du coup. Pour sa petite façon de faire, qui est kiffante. Allez, belle âme. Bah écoute, je te souhaite encore un joyeux anniversaire. J'espère que ça a résonné. Belle âme, je t'invite à faire ton choix. Donc, pour la première belle âme, premier choix. Pour la deuxième belle âme, deuxième choix. Et pour la troisième belle âme, troisième choix. Belle âme, je suis en train de penser un truc là. Est-ce que tu sais que... À quel point j'en ai marre, mais marre d'acheter des plantes et qu'elles crèvent. J'achète des cactus, ça crève. Tout le monde, ça tient chez moi, c'est... Toutes mes plantes, elles crèvent. C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. Ah, ça m'énerve. Ma voisine, elle est blindée de plantes. Tu te rends compte? C'est magnifique. Moi, je peux pas. Première, deuxième, troisième. S'il vous plaît. Ok. Première belle âme. Pour la deuxième. Et la troisième. Oh, la deuxième. T'as été d'une tendresse, belle âme. Tu t'es posée avec douceur et délicatesse. Pour la troisième. La première, elle est partie en... Elle est montée en fusée, elle. Bah, la troisième, elle sait plus où elle va. Hein. Ta priorité, on te dit que c'est tes rêves ici. Hein. Ok. Pour retrouver un certain confort dans tes actions. Ça, c'est pour ceux qui auront regardé le placement des cartes. Troisième belle âme. Donc, on pose la carte de l'oracle cosmique. Première belle âme. Deuxième belle âme. Et troisième belle âme. Alors, pour la première. J'aime pas, moi. J'espère. Deuxième et... Bah, dis donc, la troisième, hein. On vous parle d'un équilibre, il suffit d'y croire. Crois en un équilibre pour ton voyage sacré. Ton voyage sacral. C'est ce qui était dans ma tête, mais je ne l'ai pas dit. Peut-être parce que mes guides m'ont dit t'es folle ou quoi, ça se dit pas ça. Troisième belle âme. Et on y va pour conclure avec une petite carte du tarot des déesses. Deuxième belle âme. Troisième belle âme. Ferme ton gamelle, ils me disent. Ferme ta gamelle. Allez, première belle âme. OP, première. Deuxième belle âme. Et troisième belle âme. Merci. Alors, quelles sont tes croyances, belle? Pour tous, quelles sont tes croyances?
Attends, je regarde. Le valet d'épée. C'est le valet, c'est pas le chevalier, ça. Épée. Crois-tu en ton histoire, belle âme? Crois-tu en ton histoire? Crois-tu en l'histoire qui te promet le changement? Ouh là là. Crois-tu en l'histoire qui te promet un changement? Qui te promet un changement? Ok. Il y a énormément d'émotions ici. Et c'est comme si que tu avais déjà... Eh ben là, ça fait un moment que t'es comme ça. C'est ce que j'entends. Ça fait un moment que t'es comme ça et puis que tu lâches pas ton truc. Hein. Ou alors, on me dit que tu attends justement le bon moment ici. Tu attends peut-être le bon moment. Bah oui. Tu attends le bon moment. Tu fais preuve de beaucoup de sagesse pour... Bim! Traverser l'arc-en-ciel pour aller dans le monde des bisounours. Ou alors c'est quelqu'un en face de toi, belle âme. Attention, tu prends comme ça résonne. On y va. Première belle âme, premier choix. Une heure. Putain. Que peux-tu accomplir? Contribution. La terre mère. 5 d'épée. J'ai fait vite parce qu'elle avait... En fait, c'est... Comment peux-tu contribuer à ton ancrage? Comment peux-tu contribuer à prendre soin de ta terre? Enfin, comment... Parce que là, on te vole, là. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On te vole tes cheveux, on te vole... D'accord? On te vole ton énergie ici, en fait. Et pour contribuer à l'avancement de tes projets, d'accord? On te dit de t'ancrer ici. Ancre-toi, mais c'est perturbant ça. C'est ça. Hein. En fait, ici, on te parle hein, d'humiliation. D'humiliation, de perte, honte et déshonneur. Tu as été trahi et trompé par le misérable qui fuit maintenant derrière toi. C'est... D'accord. C'est chelou, hein. Belle âme, pour arriver au... En fait, il y a vraiment l'ancrage qui est important ici. De te nourrir. Tu vois, hein, contribution, c'est la carte 40 et la terre-mère, c'est la 2, la 22. 4, 4, 4, d'accord? En fait, c'est comme si que tu devais... te protéger ici et prendre ta place. Te protéger pour pouvoir prendre ta place.
pour comme être aimé en fait. Pour qui tu es, belle âme. Et ne plus attirer des personnes qui vont partir avec un bout de toi à chaque fois en fait. C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie. Belle âme, c'est le message que j'ai, que je t'envoie tout plein d'amour, d'accord? Protège-toi, ancre-toi pour ne plus attirer les malfrats. C'est ça qu'on dit, les malfrats. Hein? Protège-toi, ancre-toi pour ne plus qu'on te vole des parts de toi à chaque fois, en fait. C'est un peu comme ça qu'on te le dit, belle âme. Là, il y a vraiment un travail de protection à faire pour toi. D'accord. Te protéger en t'ancrant et en te connectant. C'est en étant aligné que tu vas être protégé. Plus tu vas le faire tous les jours et plus tu vas te sentir protégé. Et plus tu vas empêcher toutes ces merdes-là de venir te voler un bout de toi. Pardon. Ok. Deuxième belle âme, deuxième choix. Estime de soi. L'estime de soi. C'est beau. Et l'as de denier. Ah bah écoute, ma foi. Hein? Si tu ne te sens pas accompli, ben sens-toi accompli, belle âme. D'accord? Là, il y a vraiment une belle estime de toi. Un amour de toi. Un respect pour toi. Un amour pour toi et un respect pour toi qui fait que, bah écoute, hein, tout va bien. Hein? Tu attires à toi l'as de denier. On te dit le tintement d'une pièce de monnaie est la plus douce des musiques, prélude de richesse, de gain et de satisfaction. Je suis Fortuna, la déesse romaine de la chance. Écoute, l'estime de toi va faire que, écoute, bah, t'attires la chance. C'est très bien. Continue, belle âme, on te dit. D'accord. Ou si c'est pas le cas. Et de... Non, pour moi, c'est le cas, là. D'accord? Pour moi, c'est le cas, ici. Il y a vraiment une belle estime de soi. Peut-être de l'autre, parce qu'on l'a en deux fois, d'accord? Ce qui fait que tu attires la chance. La chance arrive, écoute. Hein. Tu vois pas, toi, par contre. Hein. Parce que tu as un bandeau. Tu vois pas, d'accord? Mais tu le sens. Tu sais que c'est là. D'accord? C'est très bien. On continue. Continue sur ta lancée, belle âme. On y va, troisième belle âme, troisième choix. Intuition. Le chemin de vérité. Et le chevalier de coupe. Bah, tu vois, on te dit... bon, la petite question, écoutes-tu tes rêves, belle âme? D'accord? En tout cas, on te dit, ton intuition te mène vers le chemin de vérité, vers la vérité. Ton intuition ne te ment pas, belle âme. Ok, ton intuition ne te ment pas. Et on te dit, je suis toujours en voyage et j'apporte au monde entier des messages d'amour, de paix, d'harmonie et de progrès. Je suis Epona, déesse celte protectrice des chevaux et des troupeaux. D'accord. Message d'amour, hein, message de... C'est beau, là. Il y a ton intuition ne te trompe pas, d'accord? Ton intuition te dit la vérité. Ton intuition fait que tu es sur ton chemin de vérité, d'accord? Donc, peut-être reste dans l'amour, dans le partage, ok? Continue à donner de l'amour à ceux qui en ont besoin, en fait. Du soutien aussi, j'entends. Tu as les clés, hein. Tu as la clé de ton avenir. Tu détiens la clé. C'est ce qu'on m'envoie. Tu détiens la clé de ton avenir, de... J'en sais rien. Tu détiens la clé, belle âme. Ok. Et voilà.
J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, belle âme. J'espère que, voilà, mes vidéos sont de plus en plus longues. Tu rends compte? Il faudra faire attention. En tout cas, moi, je te souhaite, belle âme, une merveilleuse journée. Journée en ce mardi 16 avril. Je te fais 1000 bisous et je t'envoie, comme tu le sais, tout mon amour. À demain. Bye bye.